Michael. Pas mal. Bah moi je trouve que c'est le plus beau sapin de Noël du monde. Manque plus que la dernière touche et... J'ai l'impression qu'on va devoir attendre encore un peu. Je sais, c'est pas cool, mais les parents veulent pas qu'on se serve de l'escabeau. C'est trop nul. Comment on va faire pour l'étoile? Pas question qu'ils prennent l'escabeau, c'est beaucoup trop dangereux. Bah tant pis, je la mettrai quand même. Hey, Michael. C'est pour qui la belle étoile? T'es sûr de toi? Génial! C'est la première fois que j'attrape une étoile filante. Peter! T'as vraiment assuré! Bravo! À quelques millisecondes près, elle se transformait en poussière d'étoile. J'ai presque réussi à la mettre. À ton tour d'essayer, Peter. Ce serait sympa que tu la poses en haut du sapin. Tu plaisantes? Il n'en est pas question. Pourquoi? C'est pas à moi de le faire. À toi l'honneur, Michael. Oui! J'ai réussi, je l'ai posée tout en haut du sapin. Elle est pas magnifique là? Si, elle est magnifique. Je déteste ces boules déformantes. Alors, on va à Neverland? Tu sais, Peter, c'est Noël et il se trouve que cette année, on avait décidé de surprendre le Père Noël. C'est vrai quoi, il passe et on le voit jamais. Parfait, mais si vous voulez le surprendre, il faut qu'on se dépêche. Sinon, il arrivera à Neverland avant nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Père Noël sera à Neverland d'une seconde à l'autre. Il y vient tous les ans avant Noël. Il y a des choses qu'il ne trouve que là-bas. Non, tu connais le Père Noël? Bien sûr, je le connais depuis longtemps. Vous voulez que je vous le présente? Oui, j'y crois pas, t'imagines? On va rencontrer le Père Noël. Allez, on y va. Allez, vite. Décollage immédiat pour Neverland. En avant, tous. Oui, enfin, surtout si on a été sage. Bien. Reprenons ses mémoires. C'est parti! Déjà petit, il avait un esprit d'aventure qui le distinguait de tous les autres enfants de son âge. Mais personne n'imaginait qu'il deviendrait... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'il deviendrait le célébrissime Capitaine Crochet à la tête de l'équipage le plus terrifiant... non, de l'équipage le plus sauvage, peut-être? C'est pas mal, sauvage, mais je peux mieux faire. Voyons, l'équipage le plus violent. Le plus intrépide. Enfin voyons, Jaro, là tu exagères. Ce n'est pas parce que tu es laid que tu ne dois pas avoir de goût. Et cette guirlande bleue avec ses boules rouges, excuse-moi, mais c'est horrible. Pas plus horrible que toi. D'abord, ces boules rouges, c'est pas moi qui les ai mises. Et ensuite, j'ai pas de leçon à recevoir d'un pirate qui s'habille en rose. Le plus stupide. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai l'équipage le plus stupide de l'univers. Capitaine, capitaine, Chouloun m'a mis une baffe. Même pas vrai. C'est lui qui a commencé à pas vouloir me laisser placer l'étoile sur le sapin, alors que c'est mon tour. Puisque c'est comme ça, c'est notre bon capitaine qui va la placer l'étoile, voilà. Et c'est lui aussi qui choisira la couleur de la guirlande, parce que contrairement à vous, il est raffiné, lui, il a du goût. Eh oui, alors cette guirlande, dorée ou argentée, capitaine? Vous êtes aussi ridicule que pathétique! Auriez-vous oublié que nous sommes des pirates? Mais oui! Alors, rouge, bien sûr, c'est plus adapté. Ça fait beaucoup plus pirate, bien vu, capitaine. Je m'en contrefiche! Un pirate digne de ce nom ne fête pas Noël! Jetez-moi ce sapin par-dessus bord et qu'on n'en parle plus, compris? Ce maudit Père Noël vient nous narguer ici tous les ans. On va pas en plus décorer un sapin! Mais capitaine, c'est Noël. Et Noël, c'est la bûche, c'est les sapins, tout ça. On va en faire des bûches de ce sapin. Je déteste Noël. Et personne ne fêtera Noël sur ce bateau tant que j'en serai le capitaine. On met une guirlande de quelle couleur? J'espère
qu'il arrivera à atterrir dessus cette année. Ça, c'est pas sûr. Fissel, Baby et Chubbs vont bien essayer de le guider, mais il arrive tellement vite qu'il risque de ne même pas les voir. Vous pouvez toujours rire. Moi, je dis que cette année, l'atterrissage sera parfait. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une connaissance hyper étendue en aéronautico-conduite de traîneau. Voilà. Waouh! Quel comité d'accueil! J'ai l'impression que je suis partie depuis des semaines. Oh, oh, oh. Oh. Attention! Le Père Noël! Oh, oh, oh. Bonjour, Peter! Oh, oh, oh. Eh bien, visiblement, il conduit toujours aussi dangereusement. Oh, oh, oh. Et 458 degrés nord et 561 degrés est en regardant vers l'ouest. Le Père Noël? Alors là, j'hallucine. Attends, tu crois que c'est le vrai Père Noël? J'avoue que j'ai du mal à y croire. Ben, moi aussi, en fait, je... Waouh! Alors c'est vraiment vous le vrai Père Noël? Celui qui fait des cadeaux aux enfants et qui habite au pôle Nord? Oh, 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 oh! C'est bien moi, Michael. Quoi? Vous me connaissez? Mais comment ça se fait? Tous les enfants ont entendu parler de vous, c'est normal. Mais moi, bah, je veux dire que je suis pas une star comme vous. Excusez-le, monsieur le Père Noël, mais mon frère est du genre plutôt... direct. Oh, 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 oh. Ne t'inquiète pas, John. C'est ce qui me plaît chez les enfants. Alors, Père Noël, encore des petits problèmes d'atterrissage? Oh, 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 oh. Pas du tout. J'ai suivi les indications de Ficelle et tout s'est bien passé. Hein, Ficelle? Oui, Père Noël. Et les reines ont assuré. C'était génial comment ils ont négocié le virage avant la piste. Youhou! Vive Noël! Eh bien, est-ce que quelqu'un veut faire un tour de traîneau? Ouais! Alors, les amis, qu'est-ce que vous attendez? Ils sont finis. Alors, monsieur Mouche? Pas mal du tout. Il est même très intéressant, capitaine. Vous devriez juste travailler un peu vos aigus, peut-être. Mais sinon... Je ne vous parle pas de mon rire, triple andouille. Je vous parle de mon plan. Vous me prenez au dépourvu, capitaine. Malgré tout, je dirais qu'il est puissant, dynamique, qu'il s'entend de loin et qu'il en fera trembler plus. Suffit! Je me passe de vos raisonnements incohérents. Réunissez l'équipage. Nous entrerons dans l'histoire comme les premiers pirates à avoir piraté Noël. Et ça, ça fera très bien dans mes mémoires. Tout d'abord, nous enlèverons le Père Noël. Et ensuite... Non, je vous le dirai plus tard. Comment? Mais c'est très grave, ça. Enlever le Père Noël? Mais dites, capitaine, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Je réunis vraiment l'équipage? Mort! Bon, d'accord. Puisque vous avez l'air d'y tenir, eh ben j'y cours. Comment il s'appelle? C'est mon bon Rodolphe. Il est gentil. Oh oui. Je pourrais le caresser? Bien sûr, Michael. Youhou! Youhou! Tout doux, Rodolphe. Et voilà, on est arrivé. Alors, Michael, ça t'a plu? Oh oui, à fond. Peter, je te confie les rênes. J'ai ma petite course annuelle à faire. Pas de problème, on va bien s'en occuper. Difficile, je savais pas que le Père Noël t'avait demandé de guider son traîneau. Si, il y a longtemps. Oui, s'en va, le Père Noël. Ben, t'as pas entendu? Il va faire des courses. Viens, tu voulais caresser ses rênes. J'adore ce toboggan. Oh,
me réchauffe le cœur. Je vous ai apporté un cadeau. Un cadeau? Mais pourquoi? Vous nous en faites tout le temps. C'est un peu le rôle du Père Noël d'offrir des cadeaux. Ho, ho, ho! Le pôle Nord se situe dans l'océan Arctique et est couvert en permanence par la banquise. Oh! Une machine qui parle! Il y a quelqu'un! Ho, ho, ho! À bientôt, mes belles! À bientôt, Père Noël! Qui est-ce qui tourne la manivelle? Moi! Non, moi! Chacune son tour, d'accord? Bon, je commence! Bon, on va tirer à la courte paille. Oh! Vous vous souvenez quand les pirates étaient perdus et qu'on a provoqué une tempête de neige? Père Noël! Oh, oh, oh! Toujours aussi farceuse à ce que je vois et toujours aussi resplendissante. Vous savez, la dernière, Père Noël, Clochette nous a fait l'honneur d'une visite. Ça nous a tellement fait plaisir et c'est connu, la joie entretient notre taux de pêche. Quel bonheur de vous entendre rire. Dites-moi, mes délicieuses amies, je dois faire ma récolte annuelle de poussière d'étoiles. Accepteriez-vous de m'aider? Mais bien sûr, allons-y! La hotte est pleine. Attention, je vais m'envoler. Oh, 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 oh. Puisque tu es là, Michael, tu pourrais peut-être nous prêter main forte. Excusez-moi, Père Noël. En fait, je voulais pas vous suivre, mais ça a été plus fort que moi et... Si ça ne te dérange pas, nous continuerons cette conversation plus tard. Oui, j'arrive. Oh, oh, oh. Il va me falloir trouver un autre moyen de porter cette hotte. Je crois que j'ai une idée. Alors, c'est pas mal, hein? Bravo, Michael. J'ai chaque année le même problème. Et cette fois, c'est toi qui as trouvé une solution pour que je ne m'envole pas dans les... Où allons-nous précisément, capitaine? Nous allons précisément où je veux. Et maintenant, silence! Les pirates. Michael, prends la hotte avec toi et file, vite! Je veux pas vous laisser tout seul. Michael, s'il te plaît, mon grand, si tu veux m'aider, écoute-moi sans poser de questions. Mais je... Va prévenir Peter, d'accord? Allez. Courage, Père Noël! Capitaine, regardez, le Père Noël. Bien sûr que c'est le Père Noël. Qu'est-ce que tu crois? Que nous sommes ici par hasard, peut-être? Demande-lui un autographe. Non, toi d'abord. Vas-y, Choulou. Je suis trop timide. Oh, monsieur Talon, auriez-vous la bonté de me signer un autographe accompagné d'un petit mot? Avec plaisir, cher Dagan. Capturez-le! Nous ne sommes pas là pour lui faire la causette. Capturer le Père Noël? Exactement. Non, vous plaisantez, capitaine. Non. Ne me dites pas que vous êtes sérieux. Si. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis votre capitaine. Et si vous continuez à discuter mes ordres, je vous ferai tous passer sur la planche un par un. Eh bien, je suis désolé, Père Noël, mais vous savez ce que c'est. Les ordres sont les ordres. Et nous sommes un équipage discipliné. Nous, on n'a rien contre vous. Le capitaine, lui, il est remonté. On ne sait pas pourquoi, mais on dirait qu'il a une dent contre Noël. Pourtant, c'est un grand enfant. Bon, enlevez-moi si vous voulez, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Capturez-le, et vite! Vous avez de la chance, le capitaine aussi, il a l'air pressé. Eh bien, allons-y, mes amis, je vous suis. Où m'emmenez-vous? Par ici. Je vous en prie, Père Noël. Après vous? Non! Mais dites-moi que je rêve! Le Père Noël est notre prisonnier, pas un invité de marque! C'est compris? Alors, ça va les amis? C'est trop bien, hein? Oui, c'est génial! Et ce coffre magique est incroyable! En plus, tu sais quoi, Mira? Tu conduis beaucoup mieux que le Père Noël! Faut que je lui demande à tout prix comment il a réussi à construire ce coffre magique. On peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Alors, Michael, tu comprends mieux comment fait le Père Noël pour transporter tous ses cadeaux dans un si petit traîneau maintenant. Michael, où il est passé? Personne n'a vu Michael? Regardez! J'arrive! C'est bon, je te tiens! Ah,
tu le sais. Tu l'as suivi, je t'avais dit de pas le faire. Pour une fois, il a eu raison de désobéir. Ah, maudit pirate! Si Crochet touche à un seul poil de la barbe du Père Noël, je vous promets qu'il va le regretter! Tous ensemble, allons sauver le Père Noël! Ouais! Qu'en pensez-vous, Père Noël? C'est assez serré pour vous? C'est bien inconfortable comme il faut. C'est parfait, capitaine. Tu vois, Soloun, t'es fort, mais t'as rien dans le crâne, tandis que moi... Répète ça pour voir. Arrêtez de vous disputer, tous les deux. Ces vermines seront bientôt en vue. Alors au boulot, il faut que tout soit prêt. Mais c'est pas moi, c'est Soloun, il m'embête. T'en as du culot. C'est que des mensonges, capitaine. Vos querelles ne m'intéressent pas. Reprenez le travail. Mais n'empêche que j'ai raison. Va t'occuper de l'encre si t'es si malin. Monsieur Mouche. Oui, capitaine. Surveillez ces gredins. Si je m'en occupe, nous risquons de manquer de main d'œuvre. Et le temps nous est compté. D'ailleurs, à ce propos, capitaine, je ne comprends toujours pas pourquoi on a capturé le Père Noël. Peter Pan va vouloir le libérer. Mais c'est exactement ce que j'escompte. Qu'il vienne ici libérer le Père Noël. Et il viendra! Ah, c'est sûr! Oh! Capitaine! Ils arrivent! Tout vient à point, qui sait attendre. Parfait! À l'attaque! Libérez le Père Noël immédiatement! Avec plaisir. J'ai dit immédiatement. Toudou, réfléchis bien avant d'agir. Préfères-tu m'assommer ou sauver le vilain barbu qui s'apprête à servir de goûter au requin? Oh non, Père Noël! Tu peux lui dire adieu. Peter, les requins! Je vous assommerai plus tard, capitaine. Ensemble, les enfants! Allez, on lâche rien! Des guerpissons! Mais je viens vous aider! Attendez! Mais, capitaine, on peut pas laisser les requins croquer le Père Noël! Si! Je crois que c'est la fin de Noël! Clochette, fais quelque chose! Rien de tel qu'un peu de poussière d'étoile. Continuez, je vais chercher le Père Noël. Je ne suis pas mécontent de te revoir, Peter. Moi non plus. Tout va bien, Père Noël? Pas de bobo? Maintenant, à nous deux, Crochet. Ils ont disparu! On laisse le bateau à Peter Pan, capitaine! Et aux enfants et au Père Noël? La capture du Père Noël n'était qu'une diversion. Nous allons bientôt atteindre notre vrai but. On a un vrai but, capitaine? Vous ne me dites jamais rien à moi, c'est pas normal. Je suis votre second et vous me traitez comme le dernier des derniers. Chers amis pirates, sachez que nous allons bientôt faire main basse sur l'atelier du Père Noël. En traîneau? Mais le joli Roger, on pourrait y aller en bateau quand même. En traîneau, mais alors pourquoi pas en charrette? Hein? Pourquoi pas? Personne à l'horizon! Personne là non plus! Crochet est le roi des plans débiles, mais là je dois avouer que c'est le pompon. Capturer le Père Noël et disparaître au dernier moment, c'est vraiment n'importe quoi. Ce n'est pas si stupide que ça en a l'air, Peter. Cette histoire m'a mis tellement en retard que je ne pourrai plus distribuer les cadeaux aux enfants à temps. Sauf si on vous donne un coup de main, bien sûr. Je n'en attendais pas moins de toi, mon cher Peter. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre mon atelier et préparer Noël. Vous nous invitez dans votre atelier, Père Noël? Génial! On va voir l'atelier du Père Noël! 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 Attention au départ!
Merci de garder les mains à l'intérieur de l'habitacle et de ne descendre qu'après l'arrêt complet du véhicule. Yo-ho! Rira bien, qui rira le dernier.